Donc ce soir, on est avec toi, Cristal, pour parler des liens sexuels et leurs conséquences. Donc nous allons découvrir ce qui nous empêche d'enraciner notre pouvoir personnel et de rencontrer l'âme sœur. Donc nous allons comprendre la raison de nos échecs amoureux, pourquoi on attire toujours le même style de partenaire. Tu vas nous dévoiler une synthèse des problèmes de santé dus à ces liens. Et nous allons recevoir des clés pour notre enracinement, notre pouvoir personnel et notre abondance. Donc Christelle, tu es guide spirituelle, conférencière, coach en bienveillance, guérisseuse. Merci d'être là ce soir Avec grand pour nous plaisir. parler de tout ça. Yes. Quel sujet croustillant, n'est-ce pas, les liens sexuels? Voilà, ça va mieux. Hein. C'est vrai que on a du mal à conscientiser qu'est-ce que tous ces liens sexuels peuvent avoir comme conséquences, aussi bien sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Et sur le plan social aussi, hein, et qu'est-ce que ça fait à la fois, qu'est-ce que ça fait de très positif et qu'est-ce que ça peut faire aussi de très négatif, comment on peut plonger à cause de ces liens sexuels. Alors on va vraiment savoir, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes physiques avec, vous êtes une femme, des problèmes physiques de perte blanche, d'endométriose, de kystes ovariens, des problèmes de migraine pour vous les hommes, de sensation que vous êtes un peu perdu après une relation avec quelqu'un, où vous n'arrivez pas à vous retrouver dans votre centre, à sentir qu'il y a comme une dilution entre vous et puis l'autre personne et que vous avez des difficultés à retrouver vraiment votre part de qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Parce que dans ces relations, dans ces liens sexuels, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, il se produit le fait que vous vous reliez. Alors, bien sûr que vous vous reliez cette fois-là avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que, on va dire 99,99% du temps, c'est tout simplement parce qu'on s'est déjà relié avec cette âme. C'est vraiment des relations et des connexions d'âme à âme. Ça s'est déjà fait fut d'autres temps. Du coup, eh bien, ou par rapport à des mémoires karmiques, des mémoires de d'autres vies, hein, ou alors tout simplement parce que vous avez déjà rencontré cette âme, fut d'autres temps, que vous la retrouvez et vous sentez une connexion, quelque chose d'énorme. Et là, vous sentez l'attirance. Alors pourquoi on ressent cette attirance? Parce que dans un premier temps, vous avez le même taux vibratoire, on va dire, vous avez les mêmes affinités, vous avez aussi les mêmes blessures. Du coup, eh bien, c'est ça qui fait que vous vous attirez. Et puis, dans un deuxième temps, c'est aussi un principe biochimique qui fait que eh bien, votre ADN peut correspondre avec l'ADN de l'autre pour pouvoir procréer. Donc, s'il y en a des êtres de lumière qui essayent de s'incarner, ils vont vous dire gentiment, alors, de manière inconsciente, vous le ressentez ou pas, c'est avec un tel que j'aimerais bien que ce soit mon papa ou ma maman, et puis du coup vous sentez cette attirance telle que vous ne pouvez pas résister tout simplement. Ça s'appelle vraiment des liens karmiques en effet, et des liens de sœur, d'âme sœur. C'est quoi des liens d'âme sœur? C'est le fait qu'on fait partie de différentes familles d'âmes. Donc, tu as d'autres conférences sur ce sujet, Caroline. Et par rapport à ces différentes familles d'âmes, lorsque vous faites partie d'une famille d'âmes différente de quelqu'un d'autre et que vous avez besoin de vous relier à une autre famille d'âmes pour pouvoir absorber, on va dire, ses attributs, ses spécificités, ses dons, ses talents, eh bien, vous allez vous relier avec une âme sœur que vous avez déjà rencontrée souvent dans d'autres vies pour pouvoir, on va dire, vous échanger vos attributs entre les différentes familles d'âmes que vous avez. Ça, c'est génial, c'est un principe osmotique, c'est un principe d'échange culturel, de manière sexuelle, ça se produit de manière donc énergétique. Et qu'est-ce que ces liens sexuels de manière énergétique produisent? Alors, de manière physique, il y a vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est que à partir du moment où il y a une relation sexuelle, à partir du moment où le partenaire éjacule dans la femme, de manière physique, purement physique, au niveau de tout ce qui est ADN, eh bien ça reste dans le corps de la femme pendant plus de 6 mois. Donc ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan énergétique, le lien sexuel, eh bien en réalité, il vient déjà de d'autres vies. Donc, vous allez juste refaire l'amour avec exactement la même personne, la même âme avec qui vous avez déjà fait l'amour. Vous vous sentez attiré parce qu'il y a déjà ce lien sexuel. Donc, vous retrouvez le même.
Si c'est quelqu'un qui est type manipulatrice ou manipulateur pervers narcissique, vous les attirez. Pourquoi ? Parce que dans vos corps subtils, dans votre corps énergétique, eh bien, il y a des mémoires ou karmiques ou transgénérationnelles ou blessures de l'enfance, c'est-à-dire par rapport à comment vous avez été teinté vibratoirement, énergétiquement avec vos parents, eh bien, vous allez retrouver les mêmes dans un homme ou dans une femme, ce qui fait que vous allez reconnaître cette patte énergétique, ce modelage énergétique dans lequel vous avez été fondu quand vous étiez petit, et du coup vous allez dire waouh, ça se ressent comme papa ou comme maman, et puis vous allez tomber dans le panneau parce que tout simplement vous n'avez pas encore cette conscience de recul, de prendre conscience que bien oui, nous sommes modelés par rapport à tout ce que nous avons vécu aussi dans l'enfance. Du coup, eh bien, vous êtes attirés par ce qui vous a fondé vos structures psychiques, tout simplement. Donc, vous allez retrouver le même type de personne. Donc ça, c'est dans les structures énergétiques, comment vous allez pouvoir et pourquoi vous vous reliez à ces types de personnes. Pourquoi vous avez cette dépendance affective à un tel ou tel type de personne? Eh bien, parce que vous avez déjà fait l'amour avec d'autres personnes, avec des liens sexuels qui sont encore là, engrammés pour les femmes dans l'utérus, dans la matrice, pour les hommes au niveau de la conscience. Parce que pour les femmes, ça crée quoi? Ça crée des liens comme des crochets énergétiques dans la matrice. Et ça empêche aux femmes de pouvoir s'enraciner dans leur pouvoir personnel, de pouvoir créer et de pouvoir aussi bien communiquer, parce que le chakra numéro 2, hein, le chakra sexuel, eh bien, c'est relié à la gorge. Donc du coup, c'est relié aussi à notre chemin d'expression de soi. Du coup, on a des difficultés en tant que femme ensuite, quand on est teinté vibratoirement avec ces énergies, à pouvoir bien s'exprimer, parce que c'est comme si l'autre personne dans son lien, il est toujours là. Toujours là, pas que de cette vie-là, c'est ça que c'est important de comprendre, mais des autres incarnations. Alors bien sûr que si vous n'avez pas la conscience, si vous n'avez pas, on va dire, envie de penser qu'il y a d'autres incarnations, vous mettez ça dans une petite boîte, on y reviendra plus tard, peut-être avec d'autres personnes, peut-être sous d'autres formes, ne le prenez pas pour vous, surtout ne laissez pas vous agiter votre mental en disant « mais ça n'existe pas, voyons ». Dites-vous juste « ok, j'ai pas envie de prendre cette information », vous la mettez dans une petite boîte. Mais sachez que vous êtes en train de relationner avec une personne et vous êtes attiré par une personne parce que vous avez ces liens et que c'est comme le fait d'avoir en fin de compte une couleur vibratoire à l'intérieur de vous et que quand vous retrouvez la même couleur, la même teinte vibratoire chez l'autre, eh bien vous avez envie de vous coller, de vous mettre ensemble parce que bah, tout simplement c'est la même chose. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Lorsque vous faites l'amour avec un partenaire, sachez que, et ça c'est vraiment très important de le conscientiser, sachez que, eh bien, vous avez ces teintes, tout ce qu'il a d'autres partenaires dans ses corps reste, perdure, pas uniquement 6 mois, hein, énergétiquement ça perdure de cette incarnation-là, de toutes ses vies, toutes ses partenaires et tous les partenaires dans d'autres vies aussi. Mais bon, souvent, on va rester dans cette vie-là. Déjà, pour l'atteinte vibratoire, c'est déjà pas mal. Donc, quand vous allez faire l'amour avec cette personne, vous allez faire un échange d'énergie et la personne va recevoir toute l'énergie des liens que vous avez sexuellement avec tous vos autres partenaires avec qui vous avez fait l'amour. Et la personne aussi va échanger toutes les engrammes énergétiques avec qui il ou elle a fait l'amour de l'autre côté. Ce qui fait que vous allez faire un échange d'énergie. Du coup, vous vous retrouvez à 2, mais vous ne vous retrouvez pas qu'à 2. Hein. Vous vous retrouvez à 3, 6, 10, 20, 40. Enfin, vous retrouvez vraiment à plusieurs, ça c'est clair. Sans conscience. Et qu'est-ce qui se passe dans ces mouvements vibratoires? Eh bien, émotionnellement, vous absorbez de ce que le partenaire contient, vous l'absorbez de manière émotionnelle et psychique par ces liens sexuels et vous allez donner aussi à l'autre ce que vous avez, vous, à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel et psychique, de vos liens sexuels. Pour les femmes, c'est au niveau de la matrice, relié à la gorge. Pour les hommes, c'est comme une cape au niveau du troisième œil, au niveau de la conscience, et ça se met comme ceci. Ce qui fait que vous avez des difficultés, les hommes, à vous connecter à ce qu'on va appeler votre soi supérieur, votre âme, tout simplement votre qualité, vos qualités divines. Et ça va faire une relation sexuelle, une cape,
une autre relation sexuelle, une autre cape, une autre relation sexuelle, une autre cape. Résultat des comptes, imaginez la couche au-dessus de votre chakra coronal que cela procure, qui vous empêche de vous connecter vraiment à ce qu'on peut appeler votre petite voix intérieure, votre intuition, vos guides, toute la connexion à votre divinité tout simplement, qui est teintée vibratoirement, émotionnellement, psychiquement, socialement, par toutes ces capes vibratoires puisque vous les avez absorbées. C'est en cela qu'on va aller voir ensemble comment pouvoir déjà libérer, on va dire, ces aspects psychiques, ces aspects émotionnels, pour pouvoir tout simplement commencer à y voir un peu plus clair dans les voiles de tout ce que ces aspects, on va dire, vous empêchent d'atteindre votre équilibre psychique, émotionnel, qui va vous empêcher d'être indépendant au niveau affectif ou indépendante au niveau affectif, qui va vous amener toujours sur, aller toujours vers les mêmes personnes, toujours vers ce qui ne vous convient pas ou ce qui vous convient, mais on va dire ça va être toujours les mêmes dans un cercle vicieux répétitif, avec pas plus ou moins de joie et plus ou moins de gratitude, parce que c'est tout simplement que vous n'avez pas encore compris ce qu'il y avait à libérer à l'intérieur de vous, donc vous faites encore les mêmes expériences à l'extérieur. Ce n'est jamais une erreur. Sachez que les erreurs, ça n'existe pas, nous ne faisons que des expériences, nous sommes des êtres humains, et nous sommes là pour faire des joyeuses expériences. Parce que c'est comme les enfants, hein, vous avez beau lui dire gentiment, attention, le feu ça brûle, c'est pas pour autant que l'enfant va pas lui mettre la main pour savoir si on n'a pas raison. Hein. Donc nous sommes là pour faire des expériences et nous adorons faire ces expériences petit à petit pour pouvoir conscientiser et puis pour pouvoir peut-être nous amener à vouloir le changement à l'intérieur de nous, vouloir pour récupérer ce pouvoir personnel que vous avez à l'intérieur de vous qui empêche, on va dire, d'avancer. Parce que pour les femmes, sachez qu'à partir du moment où vous avez des aspirations créatrices, eh bien vous donnez une partie de ces aspirations créatrices par le lien avec tous vos autres partenaires. C'est vraiment très important à conscientiser. Pareil pour les hommes, lorsque vous avez des perceptions, on va dire, un petit peu psychiques, un petit peu grandes, de conscience, ouverture de conscience qui se fait au niveau de vraiment votre conscience, puisque c'est au niveau du chakra de la conscience que ça se produit, eh bien vous allez tout simplement donner une partie de cette prise de conscience à toutes les partenaires sexuels avec qui vous avez eu des relations. Du coup, c'est gentil, on est dans le partage, alors ça, c'est ce qu'on appelle égalité, et puis on adore le partage, n'est-ce pas? Mais est-ce que vraiment vous avez envie de continuer à partager de manière équitable comme cela, avec conscience ou sans conscience? C'est à vous de prendre le choix, on va dire, de vous dire aujourd'hui non, c'est fini, ou alors, oui, je suis là, ok, dans cet espace, et je peux faire peut-être une conscientisation. Alors, il y a eu quelques questions de poser, n'est-ce pas, Caroline, sur cette conférence. Certaines personnes qui demandaient « j'ai plus de désir sexuel avec mon mari », eh bien, sachez qu'à partir du moment où quelqu'un monte plus haut vibratoirement que l'autre, ou alors va sur une autre échelle, ou peut-être que tout simplement la personne avec qui vous avez fait un chemin pendant un bon bout de temps, eh bien, elle était sur le chemin, elle vous a permis d'avancer, de conscientiser. Et puis, il y en a une autre qui va arriver, qui est en cours peut-être d'arriver dans vos corps énergétiques, parce que c'est comme ça que ça se produit. C'est-à-dire qu'un partenaire arrive toujours dans vos corps énergétiques la nuit avant en rêve, de manière consciente ou inconsciente, et après vous vous rencontrez de manière physique. Ça, c'est pour les partenaires, on va dire, que votre âme aspire à faire l'expérience, en dehors de, bien sûr, tout l'aspect psychique ou mental qui nous dit je suis tout seul, je suis toute seule, j'ai pas envie, donc vous allez vite courir après quelqu'un d'autre, parce que être seul, vous y arrivez pas. Et ça s'appelle de la dépendance affective. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à vous remplir. Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous remplir? Parce que tous ces liens, vous vident
tout simplement. Tous ces liens sexuels vous vident, pas que les liens sexuels, on est d'accord, il y a aussi les blessures de l'enfance, les mémoires karmiques, les mémoires transgénérationnelles. C'est vraiment la base qui constitue, on va dire, tout ce qui nous empêche d'avancer, mais aussi tout ce qui nous permet d'être qui on est aujourd'hui dans ces expériences qu'on a faites. Donc tous ces dons et potentiels qu'on a ramenés aussi de d'autres vies ou qu'on a ramenés aussi de nos arbres généalogiques, parce qu'il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif, il faut le dire. Et dans ces liens sexuels, comment faire pour éviter que ces liens soient, on va dire, involutifs, qui vous prennent votre énergie? Eh bien, on appelle ça faire l'amour de manière tantrique, de manière sacrée, avec le Tao, pour pouvoir refaire circuler à l'intérieur de nous ces énergies du masculin divin et du féminin sacré que nous avons tous à l'intérieur de nous, et de contacter, on va dire, l'être aimé en face avec ce lien de sexualité qu'on va appeler sacré, parce que ça existe. Alors, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui disent « c'est quoi ?» Alors, je vous invite à taper « tantra » sur Internet et puis aller voir. Alors, il y a tout, il y a de rien, bien sûr. À vous de ressentir ce qui vous dit « waouh, c'est par là, ça vibre, c'est bon, c'est ça que j'ai envie ». Mais c'est vraiment important aujourd'hui d'arrêter de faire l'amour, on va dire, de manière purement animale, parce qu'en effet, on fait l'amour, pourquoi ? Avec des instincts de reproduction, dans un premier temps, et sans penser aux conséquences pour la suite. Et c'est important de pouvoir essayer de ramener à l'intérieur de soi pour dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie ? Il y a un autre sujet important. C'est que voilà, si vous êtes avec quelqu'un et que c'est plus la bonne personne, ou alors vous avez changé vibratoirement, ou alors il y a eu des espaces de non-communication dans le couple qui fait que quand il n'y a pas de communication, clairement ça donne plus de désir sexuel, hein, ça on est complètement d'accord. Donc, ou alors de faire, on va dire, une psychothérapie de couple pour pouvoir relier vraiment au niveau de la communication, pour que ce lien se reforme, on va dire, de manière belle, joyeuse, en toute harmonie, ou alors de couper pour aller voir comment on peut se reconstruire, on va dire, d'une autre manière, et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre qui nous conviendrait beaucoup mieux, sans être dans la dépendance affective, et pouvoir nettoyer pour ça ces liens sexuels qui nous empêchent, en réalité, de contacter la personne qui convient. Pourquoi ? Parce que toutes ces couches toutes ces crochets pour les femmes qui sont dans la matrice, et les couches au niveau de la conscience pour les hommes, eh bien ça les empêche, ça vous empêche de pouvoir vraiment connecter avec quelqu'un qui est beaucoup plus hautement vibratoire, qui vous corresponde le plus, puisque vous êtes teinté de cela comme dans de la pâte à modeler, vous avez été modelé par cela, et quand vous vous présentez, tadam, c'est moi, vous vous présentez énergétiquement avec le votre moi, et toutes ces couches, tous ces liens sexuels, et toutes ces énergies émotionnelles et mentales que vous avez reçues de ces liens sexuels. Donc en réalité, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Donc c'est normal du coup que vous allez être absorbé, attiré par telle ou telle personne qui vont avoir exactement les mêmes types de problèmes que vous avez eu déjà avec d'autres partenaires, ou que vous-même vous avez déjà et que vous l'avez vu en tant que miroir dans l'autre partenaire, et puis que vous aurez pensé que c'était l'autre, mais finalement quand on le voit chez les uns, c'est souvent parce qu'on l'a à l'intérieur de soi. C'est ça qu'on appelle l'effet miroir. C'est super, l'effet miroir. C'est miroir, suis-je la plus belle? Oui, bien sûr. Non, l'effet miroir, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir chez soi, on le voit très très bien chez l'autre. Tout ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est ce qu'on a chez soi. Et dans ces liens sexuels, eh bien, ça les réactive de manière puissance décuplée. Donc c'est gentil, ça fait une évolution beaucoup plus rapide, clairement. Mais c'est pas pour autant que ça vous fait avancer si vous n'allez pas voir à l'intérieur de vous. Et bien sûr, c'est avec votre pouvoir personnel que vous allez pouvoir, on va dire, transmuter, couper ces liens sexuels. Alors, il y a d'autres questions qui ont été posées. C'est est-ce qu'on peut se les couper tout seul, ces liens sexuels ? Eh bien, malheureusement, non. Non. J'aurais bien aimé.
Pourquoi j'ai réussi personnellement toute seule? Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon coma en 2007, eh bien, la première chose qu'il a fallu que je nettoie, c'était tous ces liens sexuels. Et je peux vous dire qu'il y en avait des tonnes et je ne savais même plus. Je voyais même les têtes des hommes qui sortaient de mon corps. C'était comme vraiment, on va dire, un exorcisme presque dans un certain sens, parce que je voyais tout le corps de l'homme qui sortait de tout mon corps physique. Hein, ce n'était pas juste au niveau physique en bas. C'était vraiment l'intégralité que je voyais passer. Et suite au fait d'avoir tout nettoyé, ça m'a pris beaucoup d'heures de méditation. Il a fallu que je rentre 2 mois en méditation complète, où je méditais à peu près 5 heures par jour pour pouvoir réussir à le faire. Et pourquoi j'ai réussi? Parce que, bah, depuis le coma, c'est une de mes fonctions d'âme. De libérer de ça. Alors au début, j'ai d'abord fait pour moi et puis j'ai jamais su que j'allais faire pour les autres. Et puis depuis 2007, je le fais, donc 10 ans après, je le fais. Depuis 2017, j'ai commencé à le faire pour les autres. Et puis surtout depuis les voyages initiatiques, parce que c'est là, sur la terre du Pérou, avec cette énergie-là, ici, que j'ai pu vraiment aider et accompagner les autres pour libérer ces liens sexuels. Donc cette puissance de la terre, parce que c'est vraiment... y a besoin de cette puissance pour pouvoir couper, parce que c'est quand même pas petit, on va dire, dans l'énergie. C'est plutôt assez intense. Hein. Imaginez une ficelle avec un autre lien, encore un autre lien, encore un autre lien, un autre lien. Ben, ça fait une belle corde hein, à la fin. Alors pour couper petit à petit, il y a vraiment besoin d'une certaine énergie assez puissante. Donc là, ce que je vais vous proposer pour mercredi prochain, ça va être de libérer au niveau déjà émotionnel et mental, ce qui va être déjà super. Et puis autrement, y a d'autres moments pour couper définitivement qui vont être proposés. Caroline va vous en parler. Mais je ne vais pas en faire non plus beaucoup, parce que je me suis vraiment rendu compte que ça demandait tellement d'énergie que ça m'a mis à plat physiquement. Donc je suis d'accord pour offrir cela, mais pas pour me donner moi complètement, puisque j'ai une vie à côté comme tout le monde, bien sûr. Des questions? Merci Christelle. Non, il n'y a pas de questions. Je pense que tout le monde est bien à l'écoute. Tu nous as parlé, par contre, donc, que les liens sexuels nous empêchaient d'enraciner notre pouvoir personnel. J'aimerais bien, est-ce que tu peux aller... tu nous expliquais par rapport, en fait, de rencontrer l'âme sœur, mais par rapport au pouvoir personnel, j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu plus au niveau de l'énergie, qu'est-ce qui se joue, en fait. Alors, le pouvoir personnel, c'est la capacité à s'enraciner, c'est la capacité à créer, et c'est la capacité à ouvrir l'abondance en soi, parce qu'à partir du moment où on est enraciné, eh bien nous pouvons créer, on va dire, dans notre vie de l'abondance, bien sûr. Et cet enracinement, on parle toujours du chakra racine, du chakra numéro 1 et du chakra numéro 2. Or, dans ces liens sexuels, ça va teinter et ça va faire, on va dire, des affres, enfin dire ça va nous gêner, cette chakra numéro 1 et 2, ces liens sexuels, pour pouvoir bien s'enraciner dans la mémoire et créer dans notre pouvoir personnel, c'est-à-dire accéder. Notre pouvoir personnel, c'est la capacité à notre âme de pouvoir s'enraciner dans notre matière physique. Et c'est dans cette matière physique et dans cet enracinement qu'on va avoir cette capacité, ce pouvoir de pouvoir rayonner qui on est, de pouvoir recevoir des informations, de pouvoir aussi créer dans la matière ce pourquoi on est venu s'incarner ici, tout simplement. Être au service de qui on est et puis de pouvoir mettre en œuvre ce pourquoi on est venu ici. Donc l'enracinement, c'est ça, et notre pouvoir personnel, c'est la capacité de le mettre en œuvre dans la matière, de le positionner vraiment, pas juste des idées par-ci, par-là et par-ci, mais juste de pouvoir vraiment l'enraciner. Et dans cet enracinement, eh bien, ces liens sexuels vont les couper en partie. Ça va faire comme, imaginez une corde d'enracinement, votre corde d'enracinement qui va descendre donc de là-haut pour pouvoir aller vous enraciner dans la conscience. Alors, c'est dans cet espace pour les hommes où il y a des petits pointillés au lieu d'avoir une corde bien droite et bien continue. Et dans l'espace pour les femmes, ça va être vraiment une corde vers la terre. Et là, ça va être cette corde vers la terre qui va y avoir des petits pointillés
parce que ces liens sexuels vont perturber cet enracinement, cette corde d'enracinement en bas. Du coup, pour les hommes, ça va perturber cette corde d'enracinement au pouvoir personnel vers le haut, cette capacité à enraciner vraiment son âme dans la matière, à recevoir de ses guides les bonnes informations, et puis d'enraciner pour les femmes dans la matière, d'être vraiment ce qu'on appelle ici dans notre matrice, dans nos besoins personnels, dans la capacité de pouvoir, on va dire, procréer nos bébés, alors pas obligatoirement nos bébés que de manière physique, mais aussi de manière énergétique. Toutes nos créations sont des bébés. Tout ce qu'on a vraiment à cœur de mettre dans la matière, de ce qu'on a envie d'offrir à l'humanité, d'offrir à qui on est, à notre famille et puis aux autres, de ce qu'on peut offrir de nos capacités, de nos dons, eh bien c'est dans la matrice pour les femmes que ça va être important que ça se mette en place, qu'il y ait vraiment du plein. Donc pour les hommes, du plein au niveau de la conscience et puis du plein au niveau des femmes, au niveau de cette matrice. Et malheureusement, eh bien, ça part par ces liens, ça part à droite et à gauche par ces liens sexuels. Donc vous recevez une information dans ce pouvoir de créativité, dans ce pouvoir personnel qui est situé dans ici ou ici, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme. Et puis, eh bien, dans ce pouvoir de création, dans ce pouvoir personnel, vous allez en distribuer un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, à tous ceux avec qui vous avez fait l'amour. Ouais, donc il va falloir qu'on arrête d'en distribuer. Enfin, après, c'est sympa d'être généreux aussi. C'est super sympa, sauf que les fuites énergétiques nous empêchent d'être dans notre complétude. C'est ça. Alors, Aude qui nous dit « Je comprends mieux pourquoi j'ai préféré l'abstinence. » Martine qui demande « Est-ce nécessaire d'avoir un compagnon des relations sexuelles si on est bien seul ?» Alors, absolument pas du tout. C'est pas nécessaire d'en avoir si vous vous sentez très bien seul. D'ailleurs, souvent, à partir du moment où on est seul, on a une tendance, en tant que femme en tout cas, à beaucoup plus avoir d'idées, de créativité, de pouvoir personnel et de liberté aussi. Parce qu'on n'est pas obligé de redonner des comptes à qui que ce soit de « on est où, à quelle heure ?» C'est quand même, on va dire, pas si simple lorsqu'on aspire à être, on va dire, une plume légère au vent pour aller à droite et à gauche en fonction de là où le vent nous porte et là où nos aspirations nous amènent. Complètement. Et il y a Sophie qui demande, est-ce que c'est la même chose pour les homosexuels ? Oui, bien sûr. C'est la même chose. Okay. C'est des liens sexuels. Donc, Aude qui me fait un aparté en disant qu'elle adore ma nouvelle coupe. Merci, Aude. Alors, tu voulais aussi nous parler des problèmes de santé qu'engendrent les liens sexuels. Alors, les problèmes de santé qu'engendrent les liens sexuels, sachez que si vous avez des endométrioses en tant que femme, des kystes, tout ce qui est problème, on va dire, au niveau du bas, au niveau des douleurs de ventre, prémenstruelles, eh bien, sachez que c'est dû à des liens sexuels. Et même, c'est pas que les liens sexuels, mais on va dire aux trois quarts avec des liens sexuels. C'est lié aussi à certaines mémoires qui peuvent vous impacter. Mais sachez que ça crée, on va dire, une fuite énergétique qui fait que... c'est comme la matière physique va demander à mettre autre chose à la place et va créer ses kystes, va créer ses douleurs. Et peut-être que ces douleurs, ça va être comme si le lien, on tire dessus quand vous avez vos lunes ou vos règles, quoi. Hein. Et lorsqu'on coupe ces liens sexuels, eh bien, ça va faire 80% du travail pour nettoyer la matrice de tous ces kystes. Il y a aussi le col de l'utérus. On sait bien que toutes les femmes, on va dire, de joie ont souvent ce type de problème de cancer du col de l'utérus. Eh bien, sachez que c'est lié à ces liens sexuels et c'est pas lié à des liens sexuels dans la lumière, je peux vous le dire clairement. J'ai des exemples d'amis dans ma vie que j'ai pu observer. Elles ont eu des liens sexuels et puis suite, pas loin après, il y a eu vraiment un cancer du col de l'utérus. Alors que j'avais bien dit, attention, cet homme, je le sens pas. Il y a eu vraiment derrière après. Après ça s'appelle l'expérience. Mais ça, c'est vraiment au niveau physique pour les femmes, tout ce qu'on peut vraiment retrouver, les pertes blanches
ce sont, et puis il y a toutes les maladies sexuellement transmissibles, hein, l'herpès génital, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, c'est relié. Ce que j'avais pu voir énergétiquement, c'est que j'avais eu un ex qui avait eu lui-même une ex qui avait de l'herpès génital. Il avait chopé, il avait pris donc l'herpès génital grâce à la relation sexuelle. Merci l'ex. Alors, par miracle, voilà, on a fait tout ce qu'il faut. Je n'ai jamais eu cette maladie sexuellement transmissible. Mais du coup, hein, sachez que le corps va essayer de se nettoyer. Comment il va se nettoyer? Avec des pertes blanches, avec des douleurs, avec des règles douloureuses, avec des caillots de sang. Le corps essaye naturellement de se libérer de ça. Hein. Ça, c'est chez les femmes, on arrive à le voir parce que bah, ça sort beaucoup plus facilement. Chez les hommes, ça va être aussi au niveau du pénis hein, qu'il peut y avoir des problèmes. Mais pour les hommes, il y a aussi des problèmes au niveau de la tête, au niveau des difficultés de concentration, au niveau des migraines. Il peut y avoir des problèmes chez les hommes, on va dire, de pas réussir à savoir qu'est-ce qu'il veut dans la vie au niveau émotionnel, mental et au niveau psychique. Pour les hommes, ça apporte vraiment plus de problèmes psychiques que physiques, à part les maladies sexuellement transmissibles qui sont valables pour les hommes et pour les femmes, ça c'est sûr. Hein. Donc voilà, sur le plan physique et sur le plan psychique et émotionnel, en quoi ça impacte? Et c'est vrai que c'est pas obligatoirement très confortable à vivre. Et si on trouve des solutions pour pouvoir se faire nettoyer de ça, c'est quand même et libérer de ça, c'est quand même impressionnant parce que pour les femmes et pour certains hommes, en tout cas, ça évite sur le plan physique et sur le plan psychique de perdre sa santé, tout simplement. Donc de revenir à soi, à sa santé. Merci Christelle. Alors, il y a Gwen qui demande s'il y a peu d'hommes intéressés. Il y a toujours plus de femmes. Il y a toujours eu plus de femmes dans le milieu du développement personnel intéressées par toutes ces choses-là. Donc, clairement que, voilà, les hommes arrivent quand même de plus en plus, on va dire, à s'intéresser à ce développement personnel et puis à cela. Mais bien sûr qu'il y a toujours eu plus de femmes, clairement. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce qu'avec l'équipe médicale de la Fraternité Blanche, on peut faire quelque chose? Malheureusement, l'équipe médicale de la Fraternité Blanche ne sont pas incarnées. Donc, vous pouvez demander à essayer de vous aider au niveau psychique. Ça va relaxer, on va dire. Mais si vous faites au niveau physique, si vraiment c'est lié à des mémoires, sachez qu'ils vont pouvoir pallier physiquement, mais ils ne vont pas aller à la source, à l'origine du problème. Ils ne vont pas pouvoir le nettoyer. C'est à vous de le nettoyer. C'est-à-dire que toutes ces libérations que je vous propose, toujours, ce sera 50% moi qui va, on va dire, vous porter, voilà, je vais vous porter dans l'énergie pour que vous puissiez, et puis je vais vous accompagner pour que vous puissiez aller transmuter, aller couper, aller faire, on va dire, votre offre alchimique, parce que c'est vous qui avez le pouvoir personnel de vouloir et de pouvoir le faire. Et puis avec la foi, parce que la foi en vous, de pouvoir dire « Ok, on y va ». Donc moi, je vais vraiment vous aider parce que moi, à l'intérieur de moi, j'ai réussi à le faire et maintenant, je suis neutre dans l'espace de mon corps, sur ces espaces-là. Donc, je peux vraiment vous accompagner. Mais ces 50%, c'est vous qui faites le travail. Hein, c'est vous qui faites l'œuvre alchimique. Hein, c'est 50-50, hein, clairement. Hein. Donc là, tu as dit que pour s'en libérer, on avait besoin de le faire avec quelqu'un et qu'il fallait quelqu'un qui soit incarné sur Terre, en fait, c'est ça? Voilà, il y a besoin vraiment de quelqu'un d'incarné et puis quelqu'un qui a ses attributs, on va dire, ses fonctions d'âme qui permettent vraiment de vous accompagner pour le faire. Et tu as dit aussi donc c'est important de le faire du fait des maladies, du fait des fuites énergétiques, ça nous aide à nous enraciner, à savoir qui on est, à retrouver notre pouvoir personnel. À couper de la dépendance affective, à couper de toutes les relations avec des manipulateurs pervers narcissiques ou perverses narcissiques, puisque du coup, c'est des liens qui sont, on va dire, les pervers manipulateurs narcissiques, c'est des êtres qui sont eux-mêmes manipulés par d'autres êtres invisibles. Du coup, c'est ces êtres invisibles qui prennent place à l'intérieur de leur corps et qui viennent bouffer votre énergie. Hein.
Ça s'appelle du vampirisme. Donc, c'est de couper ces liens de vampirisme, il faut quand même le dire, et puis de retrouver plus de joie, de fluidité, de santé, clairement, et aussi votre pouvoir personnel, donc votre capacité d'abondance, de créer dans la matière, aussi bien sur le plan social, mais sur le plan aussi physique, pour avoir un enfant qui soit constitué, on va dire, de manière le plus équilibrée possible. C'est vraiment important de nettoyer avant ces liens sexuels pour faire venir des âmes, on va dire, qui auront beaucoup moins de déchets mentaux au départ lorsqu'ils vont arriver, puisqu'ils vont être teintés vibratoirement de tout ça dans le ventre de la mère, dans la matrice, imaginez. Et alors du coup, comment c'est possible d'avoir des liens sexuels qui ne créent pas tout ça, en fait? Déjà, à partir du moment où on arrive à les couper, c'est déjà pas mal. Si on arrive à les couper dans cette vie et tous les autres, parce que c'est ça qui est super important, c'est comme si on allait essayer de couper juste le dernier lien, mais il n'y a pas que celui-là. C'est tous les liens qu'il y a eu déjà depuis des éons et des éons qui vont permettre de retrouver cette liberté intégrale. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, comment faire l'amour sans que ces liens, on va dire, soient impactants négativement, soient bassement vibratoires, et plutôt nous élèvent vibratoirement? C'est de créer du lien à partir de l'âme, pas à partir de la matière du corps physique et puis l'énergie qui fuit vers le bas. Puisque quand on fait l'amour de manière animale, lorsque vous avez, on va dire, un orgasme, parlons clairement, l'énergie va fuir vers le bas et ça va diminuer votre énergie vitale. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va, vous allez, pour les hommes souvent ils s'endorment après la relation physique d'ailleurs, mais pour les femmes aussi beaucoup, mais vous allez avoir une fuite énergétique, alors que lorsque vous faites l'amour de manière tantrique, il va y avoir une circulation d'énergie dans tout le corps, reliée vraiment avec l'âme. Donc ça va être un rapport d'âme à âme, donc dans la lumière, et ça va être vraiment cette capacité de pouvoir faire l'amour avec tout votre corps de matière et pas juste avec le bas, pas juste avec le haut. C'est pas on va aller chercher chez l'autre ce qu'on n'a pas, c'est on va se relier dans notre complétude à l'intérieur de nous de manière énergétique, tantrique à l'intérieur de nous, avant de faire l'amour avec le partenaire qui lui-même va faire ce même processus, parce que le mieux c'est que pour qu'il y ait un échange, on va dire, de manière équilibrée dans les deux, c'est beaucoup mieux que ce soit les deux qui pratiquent, on va dire, ce qu'on appelle la sexualité sacrée, et de pouvoir créer ce lien, on va dire, au niveau du cœur, et plus au niveau et plus dans un espace où je prends de l'énergie à quelqu'un, mais dans l'espace d'énergie du cœur où il y a un échange d'énergie. Il n'y a plus un rapport de pouvoir, mais il y a un rapport vraiment égalitaire et de pouvoir vraiment se remplir, on va dire, de nous-mêmes dans notre complétude en rapport avec la complétude de l'autre. C'est-à-dire on ne cherche pas chez l'autre ce qu'on n'a pas chez nous. C'est grâce à cette relation, ça va nous permettre d'enraciner un peu plus avec la sexualité sacrée notre âme. Ça va permettre d'enraciner un peu plus notre pouvoir de créativité et notre capacité tout simplement d'être dans cet espace du cœur et dans notre propre lumière, sans chercher à manger la lumière de l'autre, parce que de manière inconsciente, c'est comme ça que se produit en réalité la sexualité. Ok. Alors, il y a Denis qui demande, dans un couple, quand un partenaire a tendance à fuir des liens sexuels, comment décrypter cette situation ô combien courante ? A tendance à fuir des liens sexuels, si la personne fuit, c'est tout simplement parce qu'elle a peur. Ou alors, elle a peur parce que dans son enfance, il y a eu des schémas, on va dire, qu'elle a pu absorber venant de ses parents et puis que ça rappelle le même schéma dans cette relation. Ou alors, cette personne, elle n'a pas envie, elle n'a plus envie de ces liens qui sont là. Et puis, aujourd'hui, elle dit non à ces liens. Et dans ces cas-là, c'est juste d'accepter que l'autre dit non. C'est vrai que c'est difficile d'accepter quand l'autre dit non, hein. Mais ça s'appelle, il faut quand même le dire, le respect. D'accepter que l'autre dit non. Et après, d'essayer de lui faire son psychologue, peut-être que la personne avec qui... peut-être que vous n'êtes pas la meilleure placée, on va dire, mais c'est à elle d'aller faire un... on va dire d'aller voir quelqu'un, hein, pour se faire accompagner pour ça, hein. Mais c'est clair que de courir après un lièvre
qui n'a pas envie et qui dit non, clairement, eh bien, je vous invite à arrêter de courir après le lièvre, ce sera indéfiniment pour rien du tout. Alors après, il demande si la personne fait l'amour en virtuel devant une image avec un animal. Alors avec un animal ou même avec du porno, ça crée des liens. Ça crée des liens si on fait l'amour avec, à partir du moment où il y a vraiment une masturbation devant une image pornographique, devant un film pornographique, devant un animal, devant une autre femme si vous êtes une femme ou inversement, eh bien ça va créer un lien énergétique. Alors ok, il n'y aura pas la semence qui va être dans le corps et puis les échanges, on va dire, physiques ne seront pas là pendant 6 mois, clairement. Par contre, le lien sexuel énergétique sera quand même créé, quoi qu'il en soit. Alors, il y a Aude qui dit « Waouh, merci Cristal, car un guérisseur m'a souvent dit que je m'étais laissé manger ma lumière par trop de fois et je ne comprenais alors pas ce niveau-là. » Important, hein, Aude, de comprendre que... Eh bien, de se réapproprier sa lumière, hein, parce que lorsqu'on arrive à couper ses liens sexuels, lorsqu'on se dit « Ok, maintenant c'est non, je ne veux plus donner mon énergie aux autres, je ne veux plus être un vase, un verre, qui on a beau, j'ai beau essayer de me remplir de mon énergie, mais c'est tout le temps vide et ça fuit en permanence, donc j'arrive pas à me remplir. Pourquoi ? Parce que ça crée des trous, des fuites énergétiques, tous ces liens sexuels. Donc à partir du moment où on dit non, hein, on crée déjà de nouvelles, c'est pas mal, mais quand on dit non et qu'on a vraiment envie de couper ses fuites pour récupérer son énergie, pour pouvoir se retrouver à l'intérieur, c'est vraiment super important. Et de le conscientiser, c'est juste énorme de pouvoir conscientiser. Je vais vous inviter à conscientiser là, maintenant, combien de fois vous vous ressassez dans vos pensées à vos ex. À vos ex, à des gens avec qui vous n'avez plus de lien sexuel. Est-ce que vous avez encore des pensées avec vos ex? Est-ce que combien de fois vous pensez aller voir du porno? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que c'est ressassant? Est-ce que ça vous embrouille et ça vous enquiquine la vie d'avoir toujours ces pensées qui sont là? Est-ce que ces pensées aussi de toujours avoir envie d'avoir quelqu'un à côté de soi et de ne pas pouvoir se supporter tout seul, on va dire, de pas pouvoir se remplir seul? Est-ce que je vais vous inviter vraiment à conscientiser ça à l'intérieur de vous? Dans cette dépendance affective, dans ces pensées ressassantes à des ex, à tout simplement à des images que vous avez déjà vues, porno ou autre, c'est déjà là dans vos corps énergétiques et ça revient. Pourquoi ? Parce que c'est toujours là. Alors des fois, ça revient tard parce que vous n'y avez pas pensé, puis vous rencontrez quelqu'un d'autre et puis... Eh bien, vous repensez à un ex parce que il y a un tel, peut-être parce que la personne que vous rencontrez, elle ressemble énergétiquement à cet ex que vous avez. Je vais vous inviter vraiment à conscientiser ça parce que grâce déjà à la conscientisation, c'est le premier pas vers la libération. La libération, elle se produit dans un premier temps avec la conscientisation et cette conférence est là pour vous inviter à faire ce premier pas qui est déjà un pas de géant en soi. Vous pouvez peut-être même écrire sur un papier tous ces êtres, pour tous ces ex, tous ces êtres à qui vous pensez. Et peut-être qu'en tirant le fil au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que, bah, y en avait certains ou certaines que vous aviez oubliées. Hein. Tirez le fil pour vraiment prendre conscience et un petit peu faire votre addition. C'est quoi la note? Combien il y a eu d'hommes dans notre vie? C'est qui gagne? Non, c'est pas une course, c'est pas une compétition. C'est juste pour vous inviter vraiment à conscientiser. Combien vous avez eu d'hommes pour les femmes, ou de femmes pour les femmes aussi, mais combien vous avez eu aussi de femmes pour les hommes? Et puis, qu'est-ce que vous avez envie pour la suite? C'est ça. Parce que là, de vous inviter à participer à mercredi prochain, parce que c'est mercredi, n'est-ce pas, l'atelier à 20h30, vous inviter à cet atelier, ça va vous permettre déjà de vous libérer au niveau émotionnel et pas que sur les liens sexuels, vraiment que les gens qui vous entourent au niveau émotionnel et au niveau mental, de vraiment vous libérer de tout ça. Vous allez vraiment recevoir des explications de tous ces mouvements et vibratoires, mais c'est surtout que vous allez avoir une technique de libération émotionnelle et mentale que vous allez pouvoir reproduire autant que vous le voulez, parce que c'est pas parce qu'on le fait une fois
que ben après il n'y en a plus besoin puisque vous allez rencontrer d'autres personnes encore. Je l'espère pour vous en tout cas. C'est quand même de la joie de pouvoir rencontrer des personnes et peut-être de pouvoir eh bien vous défaire de tous ces schémas de pensée qui vous embrouillent l'esprit, qui vous, on va dire, qui vous manipule un petit peu par le bout du nez parce que c'est une pensée ou parce que c'est des émotions que l'autre ou les autres partenaires de l'autre personne avec qui vous avez fait l'amour avaient et que vous avez tout ça. Alors imaginez à l'intérieur de vous, sur votre corps énergétique, toutes ces couches que ça procure et qui vous empêchent de vous connecter vraiment à vous-même. Imaginez toutes ces couches, on est vraiment multicouches, mais alors là on s'en rajoute une couche avec tout ça, hein. Alors, si Loé nous dit « peu importe le nombre, ce qui compte, c'est ce que le couple occasionnel a créé ». C'est ça. Le couple occasionnel a créé toujours une prise de conscience sur quelque chose, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus. Et puis, cet effet miroir qui nous fait prendre conscience là où on en est. Et puis, peut-être des choses à aller voir à l'intérieur de nous, puisque ce qui nous déplaît chez l'autre, c'est des parties qu'il y a à l'intérieur de nous. Si on s'est fait vampiriser par un manipulateur pervers narcissique, dites-vous bien que parce que dans d'autres incarnations, vous avez fait exactement la même chose. C'est-à-dire, vous avez été ce qu'on appelle des pervers ou pervers manipulateurs narcissiques, des portails organiques, vous n'arriviez pas à enraciner votre âme. Du coup, vous alliez vous nourrir sans conscience chez les autres. Ça, c'était, vous avez expérimenté dans d'autres vides, résultat des comptes, vous l'expérimentez, vous le voyez en face. À partir du moment où vous coupez, vous nettoyez tout ça d'avant, ça ne se reproduit plus dans votre vie. Ou non, ça se reproduit encore, sauf que cette fois-ci, vous avez la conscience, l'instinct, et vous le sentez venir. Du coup, vous avez... Et puis, ces êtres, pourquoi ils arrivent vers vous, ces êtres? Dites-vous bien qu'ils arrivent vers vous parce que vous avez des besoins inassouvis. Et dans ces besoins inassouvis, eh bien, cette personne, comme vous n'arrivez pas à les assouvir par vous-même, alors, ou parce que vous ne savez pas comment le faire, ou parce que bah, il n'y a pas encore eu cette œuvre alchimique d'aller voir à l'intérieur de vous comment faire pour vous remplir de vos besoins et puis vous faire des demandes à vous-même, et bien l'autre personne va vous apporter sur un plateau doré tous les besoins que vous avez naturellement pour vous faire prendre conscience. Regarde, je t'amène ce dont tu as besoin, je suis indispensable. Parce que vous ne vous êtes pas considéré comme étant indispensable à l'intérieur de vous pour vous remplir vous-même de vos propres besoins. Du coup, ça va se conscientiser et se voir, on va dire, se concrétiser à l'extérieur de vous pour que vous puissiez prendre conscience de cela. Ouais, exactement. Alors, Aude, oui, demain, j'envoie le replay avec Ovid. Tu pourras t'inscrire, le replay sera sur la page d'inscription pour l'atelier. Donc, c'est OK. Alors, Denis, que faire avec toutes ces femmes agréables que je rencontre? Alors, de toutes les aimées, que faire ou ne pas faire? Alors, entre aimer avec le cœur, envoyer de l'amour, et aimer de manière sexuellement, c'est pas la même chose. Franchement. Hein, il y a vraiment une grande différence. Moi, j'aime ma fille. Hein, et j'ai des amis, hommes et femmes, que j'aime foncièrement. Mais c'est dans l'énergie du cœur que ça se produit. C'est pas dans l'énergie en bas. C'est pas des pulsions animales, des pulsions sexuelles. C'est des pulsions d'amour qui viennent du cœur. Donc il y a l'amour, on va dire, conditionné et l'amour inconditionné. Et alors quand vous sentez attiré, vous sentez attiré par ces jolies dames parce que vous vous sentez attiré par la carcasse, par l'extérieur, mais sans prendre conscience de l'intérieur. Donc c'est pas un rapport d'âme à âme, c'est un rapport de physique à physique. En gros, c'est de la matérialité pure et c'est juste parce que les âmes qui se rencontrent, c'est pas des physiques beaux, les deux obligatoirement, c'est pas des physiques qui se rencontrent, c'est des âmes. C'est toujours des âmes. Quand vraiment il y a ces reliances qui se font d'âme à âme pour pouvoir vraiment créer un couple et que ce couple, il a été voulu par les deux âmes et ça a été aussi, on va dire, au service du plan pour pouvoir avancer, c'est pas du tout la même chose que juste, on a des yeux pour voir, c'est très joli. Moi aussi, hein, j'ai des yeux pour voir. Quand je trouve que c'est très joli, je le regarde, hein, y a pas de souci, mais c'est pas pour autant que à l'intérieur de moi, ça fait « Waouh, j'ai envie de faire l'amour avec !» C'est juste, j'apprécie par le regard.
Ouais, mais dans ce que tu dis, j'entends vraiment bien. Il y a vraiment l'envie que tu dis animale, hein, qui est assez terre à terre, et plutôt j'ai envie de prendre cette énergie ou ce que l'autre, l'effet que l'autre me fait. Mais après, il y a aussi l'envie d'âme, en fait, de trouver une, je sais pas, une complétude, une union. Il y a quelque chose, il y a c'est vraiment deux choses différentes, en fait, hein. Mais clairement. Donc, toi, les liens sexuels dont tu parles, là, tous ces liens négatifs, hein, dont tu nous as parlé, c'est quand on a un appel bestial envers une personne. Et pas que, de Et toute façon. Même quand si. c'est un appel de l'âme, hein, c'est la même chose aussi? Non, même si c'est un appel de l'âme, à partir du moment où les deux ne font pas l'amour de manière sacrée, ça crée des liens dans tous les cas. Et puis c'est Il faut que juste un les deux lien, soient là-dedans. et souvent c'est juste un lien de toute façon qui juste se réactive, se réallume d'un lien qui est déjà présent de d'autres incarnations, ou sur Terre ou pas sur Terre. Quelque chose qu'on a envie, on va dire, de manière d'alimenter, de manière inconsciente, on a envie de réalimenter le même lien. Quelque chose qui est là depuis la nuit des temps, ou quelque chose qui est là parce qu'on en a besoin de relier avec l'énergie que l'autre porte au niveau des familles d'âmes. Et qu'on sait que par cette liaison sexuelle, ça va nous apporter donc quelque chose de positif, mais à la fois en même temps de cette teinture positive, de ces attributs, de quelque chose qui va nous être offert et qu'on va offrir, il va y avoir en même temps teinté cette couleur de lien sexuel. C'est-à-dire il y a les deux en même temps. Mais alors, dans les deux, il faut que les deux soient dans cette posture pour s'il y en a qu'un seul, ça fonctionne pas. C'est ça que tu dis. Non, ça créera Okay. toujours ce lien chez l'autre personne dans tous les cas. Oui, c'est chez celui qui n'est pas là-dedans, dans cette posture. Voilà. Mais celui qui est dans la posture, il se protège en étant là-dedans, c'est Clairement, ça? il se protège parce qu'il est dans sa propre protection, dans sa lumière. Donc Ok. sa lumière, Très naturellement, bien. va dissoudre ça. Siloé nous dit qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec quoi? Tu peux nous dire avec quoi? T'es pas d'accord? Alors, Christine, j'ai eu le nom. Est-ce que ça, je crois qu'il y a les deux. Mais je ne sais pas de quoi tu parles en fait. Tu peux juste, s'il te plaît, Détaillé. préciser, ouais. Si. Christine, alors j'ai eu l'endométriose il y a 12 ans et depuis je n'arrive plus à rentrer en relation car j'attire toujours des pervers narcissiques, même après beaucoup de travail personnel. Je comprends mieux, merci de l'éclairage. Bah oui. Et puis il y a toujours ce lien qui est là. Donc de toute façon, dans tous les cas, à partir du moment où ce lien il est là, ça réactive, puisqu'il y en a eu en plus plusieurs. Ça enchevêtrerait les liens de même couleur vibratoire, on va dire, de même texture, qui fait que bah, ça réattire toujours la même chose. À partir du moment où le lien Alors est coupé, là, ça va beaucoup mieux pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Même si on a fait un travail psychologique ou même si on a déjà commencé à libérer des mémoires. De toute façon, à partir du moment où on commence à libérer, sachez que ça s'arrête jamais. C'est très simple, non? Ça s'arrête jamais. Un pas vers l'autre, un pas après l'autre. Parce que tout simplement, il nous faut déjà plusieurs vies pour libérer. Alors, en une seule vie, c'est déjà pas mal de faire un travail sur soi. Mais pour beaucoup de personnes, ce ne sera pas suffisant une seule vie pour terminer, on va dire. Hein. Mais en coupant ces liens sexuels, c'est sûr que, on coupe pour dans cette vie et dans les autres incarnations. Ça, c'est sûr. Et voilà, alors ce que je propose, c'est pas si simple, on va dire. Si simple, on va dire, ni pour moi, ni pour la personne qui prend l'engagement de vouloir vraiment couper ses liens, parce que c'est un travail personnel qui est assez engageant sur beaucoup de plans. Mais voilà quoi, hein, quand on a vraiment envie et on aspire à vraiment changer, bah changer de dimension, tout simplement, de changer de ce qu'on attire et puis se retrouver soi-même, bah parfois il n'y a pas de prix en réalité, n'est-ce pas? Alors là, tu vois, on parle de pervers narcissique et tout ça. Alors ça, c'est un mot qui a toutes les sauces, qu'on entend tout le temps. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord ou est un peu blessé pour un truc qui lui appartient, ça y est, l'autre est un pervers narcissique. Je suis dans la victimisation, l'autre est un pervers. Enfin bref, ce mot, pour moi, il veut absolument plus rien dire du Alors, dans tout. le pervers narcissique, Ouais. sachez que c'est quelqu'un qui. Il y a beaucoup de tests psycho qui se font sur Internet. Que quand vous sentez que ça peut être en être un ou une, je vous invite à aller voir ces tests
pour aller voir s'ils remplissent, la personne remplit les autres. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas communiquer. Ça, c'est la première chose. Quand je veux dire c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas communiquer, vous commencez à lui dire comment je me sens, j'aurais tel besoin, il s'en fout largement, il ne vous écoute pas, et à aucun moment, il va chercher à vous aider à ce que vos besoins soient remplis. Sauf quand vous êtes dans les premiers mois de la relation, puisqu'il va tout faire pour vous attirer dans les... Au début, il va être vraiment l'homme ou la femme parfaite. Et puis, quand il a bien mis le grappin, eh bien là, dans le quotidien, vous allez vous rendre compte que c'est pas du tout ça. Et surtout, c'est quelqu'un qui va gentiment vous laisser choir sur le côté avec vos affres émotionnelles sans vouloir vous aider. Il n'y a pas d'accompagnement. Après, lorsque c'est émotionnel, on va dire, au niveau de vos blessures, de toute façon, dans tous les cas, si vous le rencontrez, c'est pour mieux, ou la rencontrer, c'est pour mieux aller guérir vos blessures, de toute façon, dans tous les cas. Et c'est pas la personne qui est en face qui va aller les guérir. C'est vous, aller vous prendre en main pour aller voir quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous accompagner pour aller guérir ses blessures, clairement. Oui, mais dans ce cas-là, on est tous des pervers narcissiques, dans ce que tu viens de dire. Eh ben non. Vraiment, il y a, allez voir les tests psychotechniques, les tests psychiques qu'il y a sur Internet. Il y a 15 choses qui reflètent. Et vraiment, je vais vous inviter à aller regarder ces 15. Et souvent, dans les tests, c'est assez fort. C'est pas si la personne en a une, deux ou trois. C'est si elle en a 10 sur les 15. Vous êtes sûr, c'en est un ou c'en est une. C'est pas... Donc, on est tous plus ou moins pervers narcissiques si on regarde à l'échelle, on va dire, ces 15 attitudes dans le test psychique. Mais voilà, quoi. De toute façon, oui, voilà. Ce que dit Annie, c'est la différence, c'est que les pervers manipulateurs narcissiques, c'est des gens qui sont, ce que l'appelle lumineuse, des portails organiques. Des portails organiques, c'est des gens qui n'ont pas d'âme. Pourquoi ils n'ont pas d'âme ? Parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le corps tellement ils ont de bagages karmiques, donc ils sont là-haut. Et ils sont reliés avec d'autres entités qui vont, on va dire, passer dans leur corps à certains moments. Et puis, comme c'est vide, parfois, des fois, ça peut être de la lumière qui passe à l'intérieur, clairement. Donc, du coup, ça s'appelle plus des portails organiques. Alors, on peut faire la classification, il y en a qui font ça, hein, de quelqu'un qui a une âme à l'intérieur du corps, qui est lumineux, et on va dire quelqu'un qui est lumineux, c'est quelqu'un qui a une âme à l'intérieur du corps, qui a conscience qu'il a une âme et qui va l'utiliser pour pouvoir rayonner sa lumière, aller être au service de soi-même et des autres. Ça va, le deuxième type, ça va être ce qu'on appelle les moldus, c'est quelqu'un qui a une âme mais qui ne veut pas se réveiller. Ah non, je ne veux rien voir, rien entendre, rien dire, non, c'est trop compliqué, ce spirituel, ce machin-là, non, on va rester dans le matériel pur, et voilà, donc c'est des gens qui sont sympathiques, hein, sous toute forme, hein, qui ont des blessures comme tout le monde, de toute façon, les trois types ont des blessures dans tous les cas, et le pervers manipulateur narcissique, ça va être quelqu'un qui n'a pas d'âme à l'intérieur, donc énergétiquement, il va se nourrir des autres, ça va être vraiment quelqu'un qui va se nourrir de l'énergie des autres à chaque fois, parce qu'il ne peut pas se nourrir lui-même, et puis tout ce qui va passer à travers lui, lui-même est manipulé par, ou elle-même est manipulée par d'autres êtres qui viennent de beaucoup plus loin, que la Terre, ou alors qu'ils sont sur la Terre, puisqu'ils sont vides, ils peuvent être remplis de tout, et ce tout, comme ils sont vides, ils vont essayer de se remplir à l'extérieur pour pouvoir se nourrir, tout simplement. Bon, c'est ceux qu'on retrouve dans certains métiers, quoi. La politique, par exemple, etc. Exactement. Clairement. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Tous les mondialistes, voilà. Tous ceux qui sont dans les multinationales et qui absorbent l'énergie de tout le monde. L'argent de tout le monde, l'énergie de tout le monde. Ouais, bref. Alors, il y a Annie qui dit qu'elle a une de ses filles qui a de la peine à se sortir de, je pense, une relation. D'une relation. Une relation avec un PN. C'est terrible. Une relation avec pervers narcissique, c'est terrible. Je peux vous avouer que, heureusement que j'avais cette technique, moi, parce que, bien sûr, je l'ai expérimentée. Hein. Comment voulez-vous ? Je veux dire, je l'ai expérimenté, c'est ce type de relation, et clairement que ça m'a permis de mieux conscientiser, puis d'aider d'autres aussi à s'en sortir, et d'aider les autres aussi à conscientiser dans quel schéma ils peuvent être avec un tel, parce qu'on leur donne on leur donne complètement notre pouvoir, hein, clairement, et on peut pas, c'est comme si on était vraiment dépendant. On n'arrive pas à couper. Alors, grâce au fait que moi j'avais déjà cette capacité, que j'avais déjà coupé avant d'avoir ma fille, et puis c'était après le père de ma fille que j'ai eu ce type de personnage, mais ça m'a vraiment permis de, de,
de conscientiser à quel point c'était très difficile de couper avec ce type de personnage. C'est impressionnant. Après, avec le, j'ai utilisé cette technique de couper les liens sexuels pour pouvoir m'en sortir et m'extraire. C'est-à-dire que tant que je n'avais pas pris la décision et tant que je n'ai pas coupé ce lien, tant que je n'ai pas conscientisé, parce qu'il a fallu quand même quelqu'un d'autre d'extérieur qui m'aide à conscientiser, mais regarde, il y a un livre qui permet de conscientiser ça, qui s'appelle, c'est un livre de Irigoyen sur la manipulation. Et j'ai lu le livre, et alors à chaque fois, ça revenait toujours les mêmes trucs, les mêmes schémas. J'ai dit, bon, d'accord. Hein. Au bout de 15 pages, j'ai fait, ok, j'ai compris. Merci pour le message. Okay. Ah mais c'est ça Annie, avec un pervers manipulateur narcissique, nous sommes toujours les coupables. Il n'y a à aucun moment d'empathie. À aucun moment il y a vraiment avec ces types de personnages l'empathie de dire et puis surtout c'est toujours de la faute de l'autre. Ah c'est vraiment une particularité, c'est toujours de la faute de l'autre et cette personne ne se remettra jamais en question, jamais, à aucun moment. Oui, mais pourtant, au début de la relation, il n'est pas comme ça. Enfin, il ou elle n'est pas comme ça. Au début de la relation, il est adorable ou elle est adorable et il vous offre l'intégralité de tout ce que vous avez besoin parce que vous n'avez pas su vous remplir de vous-même, de vos besoins. Donc, la personne arrive là et puis elle va aussi rentrer, on va dire, dans une pièce du puzzle manquant à l'intérieur qui sont vos propres blessures. Il va vous apporter la pièce du puzzle et puis tous vos besoins vont être là. Hein, ça s'appelle la dépendance affective. Hein, tout simplement, il va combler ce vide et ce manque. Et puis, un pervers manipulateur ou une perverse manipulateur narcissique, sachez qu'ils ne peuvent pas être seuls. Ils n'arrivent pas à être seuls. Jamais. Il faut toujours qu'ils aient quelqu'un. Alors, Denis qui dit, as-tu une réponse sur les commandements du Christ qui sont opposés et qui, c'est vrai, ont de la peine aujourd'hui ? Tu peux me répéter la question, les commandements du Christ, j'ai entendu ? As-tu une réponse sur commandements du Christ qui sont opposés, qui, c'est vrai, ont de la peine aujourd'hui ? Alors là, je sais pas si tu comprends, je ne comprends pas. Non, je n'ai pas compris la question. Vous pouvez me la refaire, s'il vous plaît, dans un autre sens ? Alors, oui, j'ai mis plus de 4 ans pour que ma tête oublie un PN, ouais. Ah bah oui. Alors, Siloé, Annie, ce n'est pas vrai. Je sais pas de quoi tu parles. Oh, oui, Marie-France Héridoyen pour le livre. C'est ça, oui. Voilà. Ah oui, c'est vraiment un livre qui permet vraiment de conscientiser ça. C'est vraiment génial, quoi. Bon, écoute, est-ce qu'on termine avec une petite médite? Tu nous emmènes? Je vais vous inviter vraiment à aller faire ce petit exercice, surtout de... d'aller conscientiser, d'écrire sur ce papier tous vos ex, vraiment. Vraiment de faire ce petit exercice de psychomagie, d'écrire sur un papier tous vos ex, tout aussi tous ces liens que vous avez pu avoir ou vos dépendances que vous avez par rapport à si vous avez de la dépendance à la pornographie, voilà. Je vais vous inviter à écrire tout ça sur un papier pour le conscientiser, le mettre dans la matière aussi. Là, tout de suite, maintenant ? Là, tout de suite, maintenant. Non, dans 5 ans, dans 10 ans. Ouais, dans l'autre vie. Voilà. D'écrire, hein. Prévoyez un briquet à côté et puis une petite coupelle pour pouvoir brûler après. Donc juste dans la conscientisation de l'expérience, tout ce pourquoi vous êtes relié, c'est toujours une super belle expérience quoi qu'il arrive, même avec un pervers manipulateur narcissique. Moi je l'ai remercié. Je l'ai remercié. Pas en face, hein. Il n'aurait pas été capable d'entendre. Hein.
Donc juste écrire les prénoms ou les noms, ou alors les situations si vous ne vous souvenez plus du nom ou du prénom. Parce que je vous avoue que personnellement, quand j'ai libéré, eh ben, je me reconnais. Les prénoms, je ne m'en souvenais plus. Voilà. Et puis lorsque vraiment vous avez bien écrit tout cela, dans l'énergie, dans le papier, s'il y en a d'autres à qui vous pensez et que vous avez peut-être oublié, bah, je vais vous inviter à mettre le papier entre les mains pour vraiment conscientiser tous ceux avec qui, ou toutes celles avec qui vous avez créé ces liens et puis vous avez envie vraiment aujourd'hui de conscientiser, même si vous ne vous en souvenez pas. Et puis, gentiment, de mettre ce papier dans une coupelle avec des allumettes ou avec un briquet, d'allumer cette feuille de papier pour pouvoir faire cet acte de psychomagie, comme disait Jodorowsky, de libérer. Et puis si vous avez une intention maintenant pour la suite, maintenant si vous avez une intention, c'est de le créer dans votre matière, d'envoyer votre intention dans l'univers ici et maintenant. Qu'est-ce que vous avez envie, ce à quoi vous aspirez par rapport à cette prise de conscience après cette conférence, de pouvoir l'envoyer dans l'univers, de maintenant, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai envie, ce à quoi j'aspire dans ma vie pour le futur? Plus de paix, plus de lumière, plus de conscience, plus de détachement, plus d'indépendance, peut-être aussi plus de douceur avec vous-même, plus d'aller voir à l'intérieur de vous, donc plus d'introspection, pour éviter d'aller, parce que d'aller toujours vers l'extérieur, ça nous vide d'énergie. Et puis d'envoyer dans l'univers, d'envoyer ses intentions régulièrement dans l'univers. Voilà, c'est ça que j'ai envie de mettre dans ma vie. Et pour le mettre dans votre vie, dans l'instant présent, vraiment de le projeter dans votre futur, de le projeter dans l'intention. Voilà, c'est ce à quoi j'aspire. C'est comme les bonnes résolutions du nouvel an. Mais là, ça ne va pas être juste pour le nouvel an. Ça va être un petit peu au quotidien d'aller semer ses intentions. Pour pouvoir, qu'est-ce que vous avez envie de construire maintenant pour votre futur après cette prise de conscience? C'est comme une petite bulle de lumière dans laquelle vous mettez toutes ces intentions et hop, vous l'envoyez dans l'univers. Après avoir brûlé ou brûlé après ce papier avec tous vos ex, toutes ces addictions si vous en avez avec la pornographie ou aller voir des images d'animaux. Il n'y a pas de jugement à porter, hein, tout n'est que expérience. Peut-être avez-vous l'intention de mettre dans votre vie beaucoup plus de sacré, dans cette relation à vous-même et aux autres. De créer des liens qui sont plus épanouissants. De visualiser tous ces nouveaux liens, ceux auxquels vous aspirez.
des liens par lesquels vous allez échanger de l'énergie, à la fois vous allez offrir et à la fois vous allez recevoir dans le même équilibre. Peut-être envoyer dans l'univers de rencontrer là ou le bon partenaire, ceux qui vont vous faire grandir. Parce qu'à partir du moment où vous demandez, vous pouvez recevoir. Si vous n'avez pas demandé, vous ne risquez pas de recevoir. Et puis pour chaque relation que vous avez eue, pervers manipulateur ou pervers manipulatrice, je vais vous inviter à conscientiser quel était le besoin que cette personne nourrissait en vous. Quel était ce besoin que vous n'avez pas su nourrir par vous-même. Est-ce que c'était un besoin de reliance ? Est-ce que c'était un besoin de sécurité matérielle ? De sécurité affective ? Un besoin de partage ? Un besoin de s'éclater, de jouer, de divertissement. De trouver vraiment ce besoin à l'intérieur de vous et puis de l'inspirer dans tout votre corps, de mettre vos mains vraiment sur votre bas-ventre pour les hommes et pour les femmes. Et d'inspirer jusque dans ce bas-ventre et de vous remplir de ce besoin que vous avez trouvé. Parce que vous pouvez vous remplir complètement de ce besoin. Peut-être aussi de visualiser ces moments où votre besoin, ce besoin a été déjà rempli. Et de le mettre dans l'instant présent, dans toute votre énergie, dans votre corps, jusqu'à dans votre bassin, l'enraciner. Vous remplir. Et je vais vous inviter à partir de ce besoin rempli maintenant de communiquer avec l'autre. Donc de ne pas oublier. Ouais, la prochaine fois que je communique avec quelqu'un, que je relationne avec quelqu'un, eh bien je vais d'abord me remplir de ce besoin que je suis vide naturellement pour éviter que ce soit l'autre qui me le remplisse et vienne, on va dire, dans mes propres failles. Et dans ces cas-là, vous n'aurez plus de failles et ça ne pourra plus arriver. Ou alors ça arrivera, mais vous aurez le discernement. Et là, vous pourrez dire non. D'avoir la force de dire non. De ne pas vous offrir. De ne pas donner ce que l'autre a envie, mais donner pour partager. Il y a une grande différence vibratoire à cela, une grande différence énergétique.
Donc voilà pour toutes ces étapes que je peux vous offrir. Pour éviter de retomber dans le même panneau, dans le même trou. Et puis la suite, c'est mercredi. On va aller encore plus loin, mercredi, à 20h30 heure de Paris, à 2h30 heure du Québec de l'après-midi, pour aller libérer vraiment tout au niveau de notre conscience, toutes ces pensées, tous ces schémas récurrents dont on a marre, et ben on va aller les libérer ensemble. Je vais vous accompagner, vous allez faire 50% et je vais faire 50% pour vous soutenir, pour aller libérer toutes ces pensées ressassantes, pour retrouver votre paix au niveau de votre mental et votre émotionnel. Et bien sûr que ce qui va être offert dans cet atelier de mercredi prochain, eh bien clairement que ça va être reproductible à souhait. Je vais vraiment vous inviter à le reproduire régulièrement pour pouvoir retrouver vos esprits, on va dire, pour pouvoir prendre des décisions, celles qui vous appartiennent et pas celles que les autres voudraient que et vous preniez. Merci infiniment, Christelle, pour cette belle soirée. Avec grand plaisir. Ta-da ! Ta-da ! Et je sens qu'il y a un beau travail là, qui s'est installé ce soir entre nous toutes et tous. C'était bien aussi de voir des hommes. Hein. Et chouette. Merci. Et puis dans la joie de se retrouver. Donc mercredi soir, exceptionnellement, donc c'est mercredi soir et non pas jeudi. Vous aurez le replay demain par mail avec le lien vers l'atelier pour que vous puissiez nous rejoindre mercredi soir en direct. Et l'atelier, donc, il a lieu en direct jeudi soir et en replay. Voilà. Dès le lendemain. Et puis clairement que de toute façon il sera utilisable avec le replay sans problème. Ouais. Voilà. Voilà. Donc il y a plein de gratitude qui arrive. Merci, merci à vous. Merci pour votre présence. Merci d'être là. Merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez également partager le replay aux personnes autour de vous, que ça peut aider. Voilà, tous ceux que vous aimez, que vous n'aimez pas, d'ailleurs, aussi. venez liker aussi la chaîne YouTube, vous abonner, la page Facebook, voilà. Et merci, Oni. Et puis aussi un merci spécial à toutes les personnes qui ont contribué pour la vidéo, la collecte de fonds. Donc voilà, si vous êtes là, donc en tout cas, sachez qu'on va la faire. Voilà, on s'en occupe. Et merci en tout cas d'avoir permis cette création-là ensemble. Génial. Merci à vous, merci Christelle. Merci Caroline et merci à vous toutes et à vous tous pour votre présence, pour votre conscientisation. Plus il y a de personnes qui conscientisent et plus c'est de lumière qui s'allume et c'est juste un joyeux rayonnement ensemble qui se met en place et ça c'est juste énorme quoi. Grâce à la communauté de l'abondance, merci Caroline. Merci à vous, c'est pour ça que c'est important de soutenir la communauté, que c'est pas la communauté, mais c'est de faire en sorte que de plus en plus de gens puissent avoir accès à ces enseignements, à tout ce qui est transmis, c'est vraiment important. Donc, merci beaucoup pour tout ça. Et voilà. Et à mercredi. Une très, très, très belle fin de journée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir.